Bon. Là, par contre, niveau munitions, on est plus folichon. Niveau barre de vie, on va avoir dans le cul dans pas longtemps. T'avais pas un truc sur toi? Par contre, j'avais vu qu'il y avait un truc à faire avec sa queue. Alors, ouais, par où on sort? Ouais. L'enfoiré, Krauser, vient de me piquer l'ombre. Léon se bat avec lui. J'arrive. Désolé, je crois que je vais pas m'en sortir. Je t'envoie mes notes. Elles seront utiles. L'ombre, Louis, il est où? Merci de m'avoir aidé à me racheter. Mais qu'est-ce que tu dis? Merci, Ada. C'est cool d'être un bon samaritain. Essaie d'aider Léon quand je serai plus là, ok? Tiens, justement. On dirait qu'il a besoin de moi. Léon! On va affronter Krauser, on va affronter Krauser, on va affronter Krauser, on va affronter Krauser. J'avais kiffé le combat, moi, entre Léon et Krauser. La nouvelle version, pas l'ancienne. L'ancienne, c'était full QTE. Allez! Bientôt être à la fin du chapitre 5, là, non? Oui, Capcom, s'il vous plaît, entendez ma belle parole. Prochain remake, Resident Evil Code Veronica X, s'il vous plaît. Donnez de l'amour à Code Veronica X, à croire que vous le détestez, ce jeu. Il aurait jamais dû sortir. Léon, j'ai vraiment pas le temps de répéter, alors écoute-moi bien. Ton ami est au sommet de la tour de l'horloge. Si tu fais vite, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne devienne l'une des leurs. Ah bah t'as quand même un cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. Ok, maintenant Krauser. Alors, y'a quoi là? Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon ex? Ah, bah, y'a une dèche de munitions! Oh! Rien dit. Ah, nice. Moi, je pourrais survivre à une mort. C'est grand max, hein, pote. Ouais. Mais c'est Capcom, hein? Et j'ai plus rien. Voilà. Allez, priez pour moi, pauvre pêcheur, comme on dit. La moula. Comment il peut déjà être là-bas? La drogue, bien sûr. Oui, c'est ça. Bonjour, madame. Lol, rêve. J'ai entendu un petit craquement de nuque, là. Il a pas dû faire plaisir, hein.
Le jeu arrête de me filer des thunes, putain. Moi des munes. Des soins. Ah! Bon, attendez, je crois qu'on va attendre que Robert arrive. Hein. Faut pas nous faire chier en vrai. Hey Robert, amène ton cul ici. Ah, y'a pas qu'un seul Robert. Bah, je bougerai pas mon cul, tu viens. C'est bien, mon gros. Ah, t'es moche. Non respect dada là. T'es en bas, ramène ton cul. Voilà, c'est bien. Ouais. Bon, en bas. Il pas à voir, il est en vie ou il est pas en... Merde. Oh. Et là vous imaginez, à chaque fois que tu ouvres le truc, ça fait repopper un ennemi. Pas rêver non plus ma gueule hein. Allez salut. Ah, n'oublie jamais qu'arme à feu rime avec jeu et troisième. 20 000. C'est tout. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une affaire bien conclue. Thank you. Thank you. Détails, c'est le secret. Si tu veux avoir une chance de survivre, c'est ça pour voir. Elle va pas te faire tuer. Attendez. Hein. Bienvenue. J'ai trouvé le truc, hein, ouais. Puis-je t'être utile? Il y a certaines choses que là. Désolé, il me faut de l'extra moula. Merci, bienvenue. Une affaire bien conclue. Pas un soin sur toi là. Putain, mais ils vont plus de soins quoi. Radin, mec. De fou. Est-ce que... Maintenant va. Va semer le chaos. Gros radin là. Il me fait spotter ici, je peux être un plomb pas. Allez, faites un jeu plomb. Pote d'abord, désolé. Mais merde! Moi le bouclier, connard. Ouais, 3 balles dans la tête, tu flanches même pas. Eh ben. Un peu ce gros caillou, non? Ah, j'ai oublié les flèches explosives, effectivement. Toujours vérifier la map.
Ouais. Et moi, je suis le Père Noël. Faudra faire avec. Vous avez vu le tir? Ouais, bien sûr. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, fais que passer. Il est où l'autre? C'est quoi, t'as la dette de la chatte? Eh bien, descends. Vas-y, c'est bien. Bravo, mon chou. Putain! Bouge! Je crois qu'il est mort, Ada, tu sais. J'irai pas confirmer l'heure du décès. Oh putain, j'ai encore oublié une grenade! Oh putain, il me faut une herbe verte! Ah, je le savais! Je m'en doutais tellement. Salut! T'as aimé ton coup dans la gorge. Eh, tout ce que j'aime. Assurez-moi, il n'y a pas de truc en haut, hein. Ouh, point de sauvegarde. Ah, oh, putain, il y a des problèmes en haut. Ah, chargé, là. Vas-y, comment ça me saoule les archers, là. Merci à toi, mon sauveur. Je sais pas pourquoi je sens une certaine pression monter là. Pas toi là, déjà viens ici. Eh bien. Ok. Moi ton bouclier, merci. Il est mort, mort. Oh putain. Bouge pas. Tigre qui traîne. Oui. Mort. Bon. Rien oublié, rien oublié. Parce que le DLC, je le ferai pas tous les jours, hein.
Kovac, munitions infinies, y'a pas de problème là, je veux bien leur. Hey, Crozer! Ashley! Léo! Comme vous êtes stupide, monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler, et pourtant. Tu parles d'échouer. C'est bien. Occupe-le encore un peu. Brother, rends-moi la cabine. La gamine, gros pédophile, va. C'est ça comment elle laisse le pauvre Léon en train de se fighter. Où ça en est? Krauser s'est emparé de l'ambre. Tu continues de me décevoir. Je vais le récupérer, vous en faites pas. J'espère pour toi. La mission doit se dérouler comme prévu. C'est compris. Le client est roi, comme on dit. Ah non, pas la mine. J'ai pas entendu une nuque se briser. Oh là 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 là, non 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 non. Pas du call zone. Arradla ! Bon. Rien oublié. Yeah. Ça pue. Oh, ça pue. Ça sent mauvais. Allez, Crozer, c'est barré. Merde. Petit enfant de ta maman, va. J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Disons que j'ai une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi j'ai changé. Toi ? Léon Scott Kennedy, tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête.
Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada? Ou tu comptes encore te servir de moi? À ton avis? On y est. Ne prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Vous êtes là pourquoi cette fois et pour qui? Moi ou Sadler? Tout va dépendre de toi. On change de plan. Bien sûr, tu peux toujours refuser. Ce flingue est censé me faire peur? Intéressant. Ok. C'est d'accord. Mais ça vous coûtera plus cher. Sage décision. Je vais t'envoyer les nouvelles coordonnées. Et n'oublie pas, je déteste... Attendre, je sais. Tiens, c'est marrant parce que... Vous savez, à la fin de Resident Evil 4 Remake, quand on avait entendu pour la première fois la VF de Wesker, j'étais vraiment pas fan. Mais là, bizarrement, j'avoue que... Oh, punaise, on va pas devoir faire tout ça quand même. Là, j'avoue que plus on l'entend, plus je trouve que ça passe, en fait. Ah, yes. Je suis sûr qu'il va bouger quand je vais arriver derrière lui. On paraît combien? Ah non. C'est pas où qu'il faut aller? Ah, je sais pas, moi le peu qu'il avait parlé Wesker à la fin de, du remake, ah, je sais pas, ça faisait pas plus envie que ça en vrai. Maintenant le truc c'est qu'il faudrait qu'on le voit un peu plus souvent parler quoi. Enfin du moins qu'il fasse plus d'apparitions dans le jeu. Ah, je suis déjà étonné qu'il fasse autant d'apparitions. En même temps le DLC Separatway je l'avais jamais fait à la sortie, ça m'intéressait pas. Par contre, qu'est-ce que j'étais content de revoir Wesker dans Resident Evil 5. Moi, c'est le méchant le plus badass. Ça. Faut te retourner, c'est ça? Oublie pas, t'as quasi pas de soin. Bah, c'est ma destinée.
Et Jupiter, merci pour le raid. Oh, 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 c'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Attendez les gars. Changement de plan. Si, changement de plan, bougez pas. Oula, 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 oula. Oh, 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 oh. Changement de plan, ma gueule. Gueule. Aïe aïe, j'ai gros bobo là. Voilà, t'as bien entendu la nuque craquer. C'est parfait. Oh non. Oh, il y avait une herbe jaune ici. Oh la loose. Ah, j'ai la haine. C'est où ma destinée? Oh putain, c'est par là-bas. On va revenir en arrière. J'ai peur. Tirez-moi fort dans vos bras, s'il vous plaît. Les ennemis qui me font plus peur dans le jeu, c'est toujours les tronçonneuses man, quoi. Ah, attendez les gars, c'est moi 2 minutes. 2 minutes, oui. Faut respecter, connard, hein. C'est quoi ces genoux? Ah, putain, vêtons ta tête, mec. Il y a une herbe là, il y a une herbe juste là. Faut que je passe par là. Mais je sens que ça va pas être facile. Non, je veux pas aller par là. Je veux pas aller par là. Putain, j'aurais eu un sniper, j'aurais pu les déglinguer, quoi. Exactement ce qu'il faut pour une professionnelle. Ouais, une professionnelle, tu parles. J'ai goûté des objets ou pas? Rien du tout. Par contre, ce petit caillou là. Ouh, 14 000! Une affaire bien conclue. Bon, réparation du couteau comme à l'habitude. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Ah! Ils vont à soin. Nice. Tu fais des réserves au cas où? Ouais, parce que je vais mourir. Je vais essayer de dénicher des... Je vais clairement mourir. Je sens qu'il a flairé le combat à venir, lui. Oh, toi, tu dégages l'odeur du combat. Allez, let's go. Ah oui, d'accord, d'entrée de jeu, je suis spoté. Merci, hein. What? Oh, merde. Plus, tiens. Venez ici. Ah, elle est où ma grosse grenade? Elle est là.
Ah, c'était bien, c'était... C'est pas prévu au programme, ça, par contre. Et meurs, mon piggy. Ah non, j'ai loupé un baril explosif. Ah, je suis déception. Regardez, il y a des guirlandes de Noël là-haut. Ah, d'ailleurs, qui a d'être à Noël là? Déjà, on va peut-être faire venir Halloween d'abord, c'est déjà pas mal. Qui fait encore Halloween de nos jours? À part les Américains, bien sûr. Ah non, c'est pas une Gatling Gun, c'est juste une mitrailleuse à la con, ça va. Ouais, c'est que t'imagines bien que dans un jeu comme Resident Evil, t'as un ennemi qui a une arme en face de toi, bah c'est souvent lui qui aura l'avantage, hein. Pardon, j'ai tardé. Non, j'ai tardé, quoi? T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever. Où est Louis? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge d'en revanche. Oh non. Évite de mourir, s'il te plaît. Non, non, Léon, tu peux mourir. Vous savez où est-ce qu'on va tomber, là, non? J'ai de nouveaux articles. Nouveaux articles, et moi, je suis Père Noël. Voilà, il a rien. Il a rien. Il a rien. Comme d'habitude, il ment. Pas cool de mentir, hein. Une affaire bien conclue. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Et mais je pourrais lui acheter la ferraille. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étrangère. Ça t'épate. Non, ça met pas de part. Fabriquer. Non. Fabriquer. Oui. J'avais oublié cette fonction. Et bonne route. Mais toujours qu'il y a une fonction tri automatique sur le jeu. On va tomber avec les dégénérateurs. Ok, c'est pas le moment de paniquer, il faut que je fasse le point. Les cobayes se baladent dans le bâtiment, l'unique sortie est fermée. Il manque l'alimentation haute tension et sans ça impossible d'ouvrir le rideau de fer. Je sais, la chambre froide, il y a une alimentation là-bas. Une alimentation de secours au cas où l'un des cobayes s'échapperait, ça devrait le faire l'affaire. Il y a juste un problème, comment faire pour y aller avec toutes ces choses en liberté? Il faut que je trouve une solution, je peux pas laisser tomber, j'ai une famille, il faut que je m'en sorte pour eux. Bah t'es mort. Ça peut servir. À vue de nez. Oh non. Oh non. Oh non. Vraiment peut remonter, hein. Ouais.
Et comme pour là, t'as plus des munitions de fusil. Non. Ah non, 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 vous avez pas refait le coup des... Oh. Non. Non. Bon, baston anglais, réglementaire, et hop. Déjà en bord voir. Faut vraiment leur mettre trop de balles dans le genou, hein. Bouge. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Date 9 avril. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie. Je l'ai bâti cette créature Régénérador. Non, Dégénérador, c'est mieux. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. À moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés, ses tissus peuvent se régénérer à l'infini. En observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leur hôte. Presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Oh mon dieu. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle. Je suis sûr que même le docteur Frankenstein serait en admiration devant une telle prouesse. J'ai informé mon collègue, ce monsieur je sais tout, de ma réussite. Il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner des choses dans son carnet. Je pensais qu'il serait impressionné, mais au lieu de cela, il a eu le culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Ce type est un imbécile. J'ai tout sous contrôle. Le sujet est devenu fou et s'est échappé de sa cure cryogénique. C'était moi l'imbécile. Effectivement. Alors, il y en a deux en... Il y en a trois en liberté. Super. Je suis pas rassuré. Bon, je vous avouerai que ma stratégie, ça va être esquive, 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 esquive. Le plus possible. À moi qu'il y en a un qui nous tombe sur... Ah oui, d'accord. Ah, t'es comme ça le jeu, tu me laisses même pas le choix, c'est genre d'entrée de jeu, j'arrive... C'est salut, bonjour. Par là. Oh la nique. Oh la nique. J'ai déjà stoppé de me pourchasser là. Merde. Y'a rien dit. Elle entend Chadas pour les chiens. €40 pour Immortals of Aveum, non, ça les vaut pas. Non, c'est mon opinion personnelle, hein.
Sérieux? Un poisson? Alors, remarque, tu me diras. Yassos! Merde, en voilà. Ah mais casse-toi! Tu m'as passé, connard! Tant pis pour les loot! Il faut que je me tire et vite! RCF. Bon, dites-moi que c'était les seuls. Bienvenue. J'ai encore d'autres bricolants. Ah, sérieux. Bienvenue. Merci. Est-ce que ce sera tout? Je te souhaite bonne chance. C'est un travail qui demande de la finesse, étrangère. De petits ajustements. Gueule. Maintenant va, va se... C'est bon? On a passé le passage relou, j'espère. Le chaos. Ghostwire, lui, il vaut le coup en vrai. Ghostwire Tokyo était vraiment génial. Et un petit moment, ça manquait un petit peu d'opti sur PC par contre. Ça, non? Allez. Oh oui, ça pue. J'espère qu'ils sont tous restés. Vous avez vu comment ils avaient mis un régénérateur en mode... Ouais, non, tu passeras pas, je vais juste spammer mon attaque qui pique et basta. Oh non! D'abord les lance-roquettes et après je m'occuperai du reste. Sérieux? Pensez qu'on peut dévier un tir de roquette avec le pistolet, pas avec le couteau. C'est drôle quand même qu'on puisse dévier une roquette avec le couteau. Franchement, c'est pas dingue comme attraction.